J'ai pas très envie d'aller dehors. Faut que je vais passer la nuit ici. Parce que là, ça ne me dit rien qui vaille, toute cette histoire. Là, c'est une tempête de neige. Mon départ des princes est imminent. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo incroyable pour mon départ. Mais avant ça, je vais répondre à toutes vos questions. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce ask final? Est-ce que vous en avez un petit peu appris? Donnez-moi vos retours en MP. Moi en attendant, je vous fais vite fait un petit récapitulatif sur le sponsor de la vidéo qui s'appelle eBike Club, qui est une application de cashback. Les applications de cashback, vous connaissez, ça fonctionne sur le principe de l'achat groupé et ça permet de gagner, de récupérer de l'argent en faisant du shopping. eBike Club, c'est hyper pratique parce que c'est des tonnes et des tonnes de partenaires, dont Asos, Maison du Monde que j'ai utilisé, chez qui j'ai acheté pas mal de mes meubles pour remeubler mon appart dernièrement. En plus de ça, les taux sont hyper compétitifs. Je crois que vous avez par exemple 10% sur Asos. Vous pouvez d'ailleurs trouver la dernière collection The North Face que moi je porte. Vous avez été pas mal à me demander d'où elle venait. Bah, de récupérer 10% sur tous vos achats de la dernière collection The North Face sur Asos, c'est une dinguerie. Voilà, vous le faites à travers eBike Club. C'est hyper facile d'accès. Moi, je me suis inscrit, ça prend 2 minutes. En plus de ça, avec mon lien, vous récupérez 5€. Enfin, comme vous le savez, jamais, je vous vendrai une app, un produit que je n'utilise pas. La preuve, mon papa s'est inscrit hier pour faire son shopping. Quoi de plus fiable? Vous pouvez retirer votre argent à partir de 10€. Je t'imagine? Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Je me demandais, Kevin, c'est quoi son petit défaut, Obi? Oh le bâtard! Oh le bâtard! Je sais, de source sûre, de source que tu veux dire, qu'il y a déjà eu rapprochement batifolage avec l'une de nos assistantes. T'es vraiment... Dans la vidéo de Darko, j'ai dû choisir entre mon papa et ma maman, qui alors, je préférais. Ou alors je devais bouffer un piment. J'ai bouffé le piment. Pourquoi tu voulais savoir? Regardez ce que j'avais écrit. Du coup, Jade, tu as bienvenue sur ma chaîne. promis, on fera qu'une vidéo. Regarde qu'on est obligé de faire pareil. Pauvre Alain. Ah ouais, c'est ballonnant une raclette? C'est dur à digérer quand même, c'est de la viande quoi. Bon, toi t'as rien à craindre, va. De toute façon, t'es ballonné quoi qu'il arrive.